J'ai vu un Christophe Galtier abattu en conférence de presse. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'affaire Christophe Galtier, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici n'est pas de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fort, on est parti. Alors, Christophe Galtier était attendu en conférence de presse après la polémique autour de son affaire, soi-disant qu'il est raciste, qu'il n'aime pas les Noirs, qu'il n'aime pas les musulmans, etc. Du coup, donc, il a réagi en disant qu'il porte plainte à tous les gens qui l'ont calomnié. Et moi, je trouve vraiment ça normal parce que avant d'accuser une personne, tu dois avoir les preuves solides, les preuves suffisantes pour pouvoir accabler une personne. Parce que là, on parle là d'une carrière. On parle là d'une carrière, les gars. À cause de ça, tu peux gâcher la carrière d'une personne, tu peux gâcher la carrière. Il est infamie, les gars. Il est infamie. Quand ses enfants écoutent ça, quand sa femme écoute ça, vous pensez que ses enfants sont contents? Il est infamie derrière. Donc, avant de sortir de tels propos, assure-toi que tu as des preuves solides. Tu as des preuves solides. Donc, une fois de plus, laissons la justice faire son travail. Je ne dis pas que Galtier a raison, je ne dis pas qu'il a tort, mais pour moi, avant de faire une telle sortie, tu dois te rassurer si tu as des preuves suffisantes. Sinon, tu gâches carrément la carrière du personnage. Parce qu'actuellement, son image est entachée. Son image est entachée. Avant de juger une personne, il faudra d'abord avoir toutes les preuves suffisantes. Beaucoup de gens l'ont jugé que non, ce qu'il fait n'est pas bien. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'en savez rien. Je ne dis pas qu'il a raison, je ne dis pas qu'il a tort, je ne dis pas qu'il a fait ceci, je ne dis pas qu'il a fait cela. On n'a aucune preuve. On n'a absolument aucune preuve. Donc, avant de juger, les gars, attendons que la justice fasse son travail. Pour l'instant, on est neutre. On ne prend aucun parti. Donc, voilà ce que je voulais partager. Je veux te demander de retourner en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.